Comment établir une représentation paramétrique de droite dans le contexte de la géométrie dans l'espace? C'est pas très compliqué, par contre ça nécessite que tu connaisses quand même quelques notions de collinéarité. En particulier, de dire que U et V sont deux vecteurs collinéaires. Tu vois, quand tu as deux vecteurs collinéaires, c'est à condition nécessaire et suffisante que tu puisses les relier par une relation de ce type-là. U égale T fois V, où T est un nombre réel, celui que tu veux, mais en tout cas U égale T fois V. La représentation visuelle graphique de deux vecteurs collinéaires, c'est de dire que tu as des vecteurs qui ont la même direction. Ok? Le sens, on s'en fiche. La longueur, on s'en fiche. C'est la direction en fait qui m'importe. Même direction. Voilà, donc du point de vue des droites en fait portées par ces vecteurs, ça fait des droites parallèles. Les miennes le sont à peu près, c'est pas super précis, mais voilà. Donc ça, c'est la notion de base qu'il te faut sur la collinéarité pour être à l'aise quand tu vas faire des représentations paramétriques de droite. Donc je vais te montrer un exemple. L'exemple, c'est celui que je t'ai écrit ici. On considère une droite qu'on appelle D. Elle passe par un point A, dont tu as les coordonnées dans l'espace ici, 4, moins 1, 0. Et je dis que cette droite D a pour vecteur directeur 2, 3, 1. C'est un vecteur directeur de la droite, parce qu'en vérité, une droite possède une infinité de vecteurs directeurs. Ils sont tous collinéaires les uns aux autres, tu vois. Donc là, en fait, tu as ta droite. Attends, je vais la retracer parce que ça ne me plaît pas trop. Ensuite, sur cette droite, je localise un point. Faut considérer qu'on est dans l'espace, hein. Bien sûr, je ne peux pas te faire un dessin en 3D. Je vais faire simple. Donc tu as le point A de coordonnées 4, moins 1, 0. Et je vais localiser un vecteur U, je vais le mettre comme ça. On va le faire un peu plus gros. Donc ce vecteur U, je ne réécris pas ses coordonnées, elles sont données juste ici. Ça marche? Donc pour l'instant, on a représenté la situation. Maintenant, regarde. Maintenant que la situation est posée, je vais introduire un point M de coordonnées x, y, z. Et ce point M, je vais te dire qu'il est quelconque, il se balade n'importe où dans l'espace. Point quelconque de l'espace, il est n'importe où. Ça fait que le vecteur AM, je peux construire un vecteur entre le point A de la droite et le point M qui se balade dans l'espace. Tu vois, j'ai le droit de construire un vecteur. Ce vecteur AM, il aurait pour coordonnées x moins 4, y moins moins 1, ça fait y plus 1, et z moins 0, donc z. Qu'est-ce que j'ai fait ici? J'ai fait xm moins xa, ym moins yk, zm moins za. Ok? Donc ça m'a donné ces coordonnées. Prends juste soin de bien mettre plus 1 avec y, parce que y moins moins 1, ça te fait bien y plus 1. On est d'accord? Donc ça, c'est ton vecteur AM. Et maintenant, en fait, je vais te proposer de décrire une condition pour pouvoir dire que le point M appartient à la droite D. Si le point M est situé sur la droite D, qu'il soit ici, 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 peu importe où tu le mettrais sur la droite D, dans tous les cas, regarde ce qui se passerait du vecteur AM avec le vecteur U, bah le vecteur AM, ah pardon, attends, je ne suis pas parti du bon point. Voilà, le vecteur AM, il serait comme ça. Bah le vecteur AM et le vecteur U seraient collinéaires. D'accord? Donc si tu poses la condition, si tu veux poser une condition pour que M appartienne à la droite, tu vas écrire que M appartient à la droite D si et seulement si ton vecteur AM est collinéaire avec le vecteur directeur de la droite U avec lequel on travaille, c'est-à-dire avec le vecteur directeur de la droite D avec lequel on travaille, c'est-à-dire le vecteur U, d'accord? AM collinaire avec U. Et AM collinaire avec U, à quoi ça correspond? Ben, ça correspond au fait de pouvoir écrire que AM égale T fois U. La relation que je t'ai mise tout à l'heure. En préambule. Ok? Et je t'ai dit, il faut maîtriser cette relation qui traduit la collinéarité de deux vecteurs. Tu précises juste que t est un nombre réel, n'importe quel nombre réel.
Ça marche? Alors, je vais te récréer ici les coordonnées du vecteur U. On a dit que c'était, je les ai sous les yeux, 2, 3, 1. Et donc, si AM égale T fois U, ça veut dire que cette relation vectorielle, elle est valable pour chacune des coordonnées. Donc, ça veut dire que x moins 4 va être égal à T fois l'abscisse de U, donc T fois 2, que y plus 1 va être égal à T fois 3. Donc tu vois, je fais la lecture ici. X moins 4 égale 2 fois T, T fois 2. Y plus 1 égale T fois 3. Et puis Z moins 0, donc Z égale T fois 1. Toujours avec T, un nombre réel quelconque. Et donc si tu transformes encore un tout petit peu plus ce système de trois équations, tu obtiens x égale 4 plus 2t, y égale moins 1 plus 3t, z égale 0, je vais le faire apparaître le 0, tu vas voir pourquoi, plus t. Je vais même mettre 1 fois t. Comment s'appelle ce truc que je viens d'obtenir? Ce système de trois équations s'appelle le système paramétrique ou la représentation paramétrique de la droite D. Voilà, c'est ça une représentation paramétrique. Représentation paramétrique de D. Donc voilà comment on établit une représentation paramétrique à partir d'un point de la droite et d'un vecteur directeur de la droite. Tu obtiens la représentation paramétrique de la droite, ok, avec laquelle tu travailles. Dernière chose avant de conclure cette vidéo, j'aurais écrit juste les coordonnées du point A qu'on utilisait, c'était 4, moins 1, 0. Et j'aurais écrit les coordonnées du vecteur U qu'on a utilisé aussi pour l'obtention de ces coordonnées, c'est 2, 3, 1. L'obtention de cette représentation paramétrique, ok? Donc coordonnées du point A et coordonnées du vecteur U. Et en fait, qu'est-ce que je vais te montrer en dernier sur cette vidéo? Ben, je vais te montrer que ici, dans ta représentation paramétrique, tu retrouves les coordonnées du point que tu as utilisé pour la mise en place de l'équation. Et ici, tu retrouves les coordonnées du vecteur directeur que tu as utilisé pour la mise en place de la représentation paramétrique. Donc tu vois, dans une représentation paramétrique, tu peux carrément lire les coordonnées d'un vecteur directeur ou d'un point de la droite. Petit exemple. Donc ça, c'est comment utiliser une représentation paramétrique dans l'autre sens. Si tu as par exemple une droite D, donc une autre droite hein, que celle avec laquelle je travaillais avant, exemple celle-ci, x égale 1 plus 2t, y égale moins 1 plus t. Je vais mettre 1t, z égale 2 plus 3t. Donc ça, c'est une droite D caractérisée par cette représentation paramétrique. Eh bien, tu peux tout simplement dire que le point de coordonnées, je vais l'appeler A, 1, moins 1, 2, il appartient à D. Et tu peux également dire que le vecteur de coordonnées 2, 1, 3, tu vois, j'ai cherché les coefficients qui sont devant t. Le vecteur de coordonnées 2, 1, 3 est un vecteur directeur de D. D'accord? Donc quand tu as une représentation paramétrique de droite, tu peux lire directement dans la représentation les coordonnées d'un point de la droite et les coordonnées d'un vecteur directeur de la droite. C'est tout pour cette vidéo. Je t'ai montré deux techniques intéressantes. La première, retrouver par toi-même la représentation paramétrique. La deuxième, utiliser une représentation paramétrique que l'on te donne pour extraire des informations. Voilà, pour la mise en place de l'équation paramétrique, je te conseille vraiment de le faire comme je te l'ai montré, en repartant d'un point M quelconque, etc. Je ne te conseille pas de le faire directement en appliquant tout de suite la formule de fin, tu vois, avec le point et les coordonnées du vecteur. Je te conseille de le remettre à chaque fois en place. Pour ne pas oublier ce processus, même dans 5 mois, tu t'en souviendras. Eh bien, entraîne-toi bien là-dessus. Abonne-toi à mes vidéos pour être alerté dès que je mets une nouvelle vidéo en ligne. Qui sait, peut-être qu'elle va te servir, peut-être que tu en auras besoin, donc c'est mieux pour toi.
Et puis, je te dis à la prochaine. Allez, ciao!